Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Oui, comment allez-vous? Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, maintenant je commence le deuxième cours de français. Oui. Le verbe être. Le verbe être, c'est quoi? C'est quoi ça, le verbe être? C'est quoi ça? What is this, le verbe être? Mémorisez, s'il vous plaît. To be. To be. To be. Moi, je suis Turc. Moi, je suis Turc. Faites attention, be careful, please. Moi, je suis Turc, ça c'est masculin. Toi, tu es anglais. Écoutez, écoutez bien. Toi, tu es anglais. Toi, c'est quoi? You are English. Oh, the same meaning, but it's very easy. C'est très facile. It's very easy. Very, very easy. Très, 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 très facile. Alors, on passe. Lui, il est opticien. Lui, il est opticien. Optician, hein? He is optician. Ouais. That's all. That's all. Ouais, that's all. C'est toi. C'est tout. C'est tout. That's all. Alors, on passe. Nous sommes sympathiques. Nous sommes sympathiques. Nous, c'est quoi? Nous, oui. We are sympathiques. Ouais. We are gentils. Oui, je ne sais pas ça. Oui, d'accord. Nous sommes sympathiques. Vous êtes musicienne. Vous êtes musicienne. Eux, ils sont étudiants. Eux, ils sont étudiants. They are students. Oui, the same meaning. It's very easy. Ah, ensuite, elles sont dentistes. Elles sont dentistes. Faites attention. Je conjugue le verbe être. Je suis. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Je conjugue encore une fois. Je suis. Tu es. Il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Alors on passe les nombres. Voilà les chiffres et les nombres. C'est quoi ces chiffres? C'est ce parti, ce sont les chiffres. Je commence par 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9. Oui, ce sont les chiffres. Alors, on passe les nombres. Ouais, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, c'est ça, c'est tout. Ensuite, on passe les jours. Les jours, c'est quoi ça? Les jours. Les jours, oui. Moi, je dis bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Jour, jour, jour. Jour, c'est quoi? Jour, jour, ça veut dire? C'est the day, hein? The days. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour. Oui, les jours. Je commence par lundi. 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 Mardi. Mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord? C'est très facile. C'est très facile. Je commence encore une fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, on continue. On continue les noms. Oh, pardon, excusez-moi, les mois. Les mois, oui, c'est ça. On commence par janvier. Janvier, c'est quoi ça, janvier? January. Oui, c'est ça. Oui, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Oui. Moi, quand j'entre dans la classe,
Moi, je pose la date. La date, the date, the date, la date. Oui, j'écris, oui, où? Il faut que j'écris ici, la date. La date, la date. Oui, the date. Oui, the same thing, the date. Oui, chaque jour, every day, chaque jour, moi, chaque. Chaque jour, moi, j'écris la date. La date, c'est quoi la date aujourd'hui? La date, c'est quoi aujourd'hui? C'est le... Aïe, on ne va pas apprendre le 26. Oui, j'écris comme ça. Oui. Ça, c'est 26. Aujourd'hui, c'est le 26 août. 26 août. On peut dire 20. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Oui. Au revoir, au troisième cours.